Quand un garçon doit choisir son âme sœur ou une fille doit choisir son âme sœur, c'est une étape importante. Parce que le mariage biblique veut que quand tu te maries, tu restes marié jusqu'à la mort. Toute relation a un fondement. Et il ne faut pas justement fonder ta relation sur du faux, sur du mensonge. Le fondement de la relation, c'est les racines, les fondements. Avant de t'unir à quelqu'un, il faut savoir d'abord d'où vient cette personne. Quels sont les fondements de cette personne? J'aime le dire, moi je suis un papa jaloux. Donc je veux équiper mes enfants pour que quand ils sortent, même si c'est un lion, qu'ils soient des David. Que l'ours ne leur échappe pas aussi. Il faut savoir avec qui tu te mets en alliance. Avec qui? Ne crois pas aux paroles succulentes, sucreuses. Et est-ce que les jeunes sont là? Si tu penses qu'il faut faire des amis, on va faire des nouveaux amis tout azimut. Les relations dans lesquelles tu vas entrer là vont laisser des traces, inévitablement. Il faut le sang de Jésus et la grâce de Dieu pour effacer ces traces. Ce que je veux dire ici, ne fais pas un investissement émotionnel dans une relation si tu n'es pas sûr de ce que ça va te laisser comme trace. Pourquoi c'est moi que tu as choisi? Si la personne te dit oh, vraiment sans toi je ne peux pas dormir, quand depuis que je t'ai connu là, si je ne te vois pas je ne peux pas manger, il faut fuir, il faut le laisser parce qu'il n'est pas mûr. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mûrs. Quand tu n'es pas mûr, tu ne peux pas entrer dans une relation, un mariage surtout. S'il ne peut pas dormir, s'il ne te voit pas, d'abord il ment. Et puis si jamais c'est vrai, tu as un malade avec toi pour la vie, pour que tu ailles prendre des cours de psychanalyse et tout ça là, pour pouvoir le gérer.